Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, ben, je vais me chercher quelque chose que j'avais vraiment, mais vraiment, mais vraiment de besoin depuis longtemps. Dans le fond, c'est pour tenir ma caméra dans l'auto. Fait que pouvoir vous parler dans l'auto. Parce qu'en ce moment, ben, j'ai mon stick dans le fond que je tiens, c'est quoi stick en français? Ben, je sais pas. En tout cas, un stick. Bon, fait que je reviens des magasins. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer d'installer ça dans mon auto, là, voir si ça fonctionne. Puis, on se reparle, voir. Bon, fait que j'ai réussi à l'installer, fait que vous voyez, ben, je peux avancer mon auto. Fait que là, on est parti pour un tour. Fait que ça marche, je suis assez content. Je vais pouvoir parler dans mon char, surtout que j'ai vraiment des bonnes réflexions sensées dans mon char. Fait que, écoute, on s'en va faire de la route, puis je vous parle. C'est ce qu'on fait. Ouais, fait que dans le fond, je vais vous donner quelques trucs pour prendre la masse musculaire. Souvent, les gens me demandent comment tu fais pour prendre la masse musculaire. En fait, c'est simple. Souvent, le premier truc que je dirais, ce serait de s'entraîner, d'entraîner dans le fond chaque muscle au moins deux fois par semaine. Donc, avec soit une routine d'entraînement, là, on fait tout le haut de corps une journée, on fait le bas de corps une autre journée, ou on fait toute la chaîne antérieure une journée, la chaîne postérieure une autre journée. Comme ça, on fait quatre jours semaine. Fait qu'on touche à tous les muscles deux fois par semaine. Comme ça, ça va garder la synthèse des protéines élevée. Et la synthèse des protéines, c'est super, super crucial pour prendre la masse musculaire. Plus elle est élevée, dans le fond, c'est ce qui reconstruit le muscle brisé par l'entraînement. Fait que plus elle est élevée, bien, plus on reconstruit du muscle. Fait évidemment, bien, si on mange bien, on mange assez de protéines, bien, on est toujours en train de reconstruire du muscle. Puis en même temps, on s'adapte super bien, le corps c'est une très belle machine. Donc déjà ça serait déjà le premier truc, là. Fait que les genres de split, les genres de routines d'entraînement qu'on voit, où est-ce qu'on fait un muscle par semaine, fait qu'une journée on fait des pecs, l'autre journée on fait du dos, l'autre journée on fait des bras, l'autre journée des épaules, l'autre journée des jambes, ben c'est pas la meilleure chose à faire. Vraiment la meilleure chose à faire, ce serait vraiment de recouper chaque partie de muscle ensemble pour pouvoir faire ça. Fait que premier truc. Deuxième truc, manger suffisamment de protéines. Ça c'est super 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 important. Si on mange pas assez de protéines, on pourra pas reconstruire les muscles brisés par l'entraînement. La synthèse des protéines, ça le dit, c'est pas la synthèse des glucides, puis c'est pas la synthèse des lipides. C'est la synthèse des protéines. Fait qu'il faut manger assez de protéines. Donc la règle d'or, c'est environ 2 kg 2 grammes par kilo ou environ 1 gramme par livre de poids de corps, dépendant si vous marchez en kilo ou en livre. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Puis ensuite de ça, troisième truc, manger en surplus calorique. En fait, tu sais, je dis que c'est des trucs, mais c'est pas vraiment des trucs. C'est ce qui est important, c'est les trois, c'est la base pour prendre la masse musculaire. Il faut manger en surplus calorique. Alors si, par exemple, ton métabolisme à 2500 calories, tu maintiens ton poids, tu prends pas de poids, tu perds pas de poids, il faut que tu manges au moins 2750, peut-être même voire 3000 calories, tout dépendant de ton niveau d'activité, pour prendre la masse musculaire. Fait que c'est important de manger beaucoup. Fait que souvent, c'est les trois trucs que je dis quand quelqu'un vient me voir, me dit « j'ai la misère à prendre la masse musculaire ». Premièrement, soit tu manges pas assez de protéines, soit tu n'es pas en surplus calorique, fait que ton corps ne peut pas synthétiser des nouveaux muscles, il ne peut pas augmenter ta masse musculaire, il n'a pas assez d'énergie. Fait qu'il va toujours chercher de l'énergie ailleurs. Fait qu'il va soit chercher l'énergie dans le muscle ou dans le gras, mais tu ne bâtis pas de masse musculaire dans ce temps-là. Ou souvent, ben, c'est lié à l'entraînement. Souvent, les entraînements qu'on voit sur Internet, ben, c'est les entraînements de nos vedettes, là, ceux qu'on veut suivre. Et souvent, eux autres, ils ont de l'aide. Justement, ils ont de l'aide des produits dopants, des stéroïdes. Ce que ça fait, ça, c'est que ça garde la synthèse des protéines élevée en tout temps. Fait que si la synthèse des protéines est élevée en tout temps, peu importe la façon qu'on va s'entraîner, c'est pas grave. Le but, c'est juste de pousser les nutriments dans le muscle pour le faire grossir. Fait que souvent, des séries de 12-15, puis faire un muscle par semaine, c'est correct parce que la synthèse, elle reste activée quand même. C'est ça, la beauté ou pas la beauté des stéroïdes, là, comment qu'on le voit, là. Mais c'est ça que ça fait. Mais finalement, quand on s'entraîne de façon naturelle, c'est vraiment pas la meilleure façon. Bon, fait qu'on est de retour de la petite balade. Je m'en vais à l'épicerie chercher la viande pour le barbecue de ce soir.
fait qu'on a tout ce qu'on a besoin, fait qu'on se retourne à la maison pour le barbecue. Le barbecue est presque prêt, on va pouvoir manger. Ça sent bon. Bon, fait que le barbecue est fini, fait que on s'en retourne à la maison. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Si jamais vous avez pas aimé ça, ben mettez un pouce bleu pareil. Puis abonnez-vous à la chaîne aussi, super simple. Le petit rond ici, ça va pas long, je vais faire mon stop. Ok, mon stop est fait. Fait que abonne-toi, 2 vidéos par semaine. Fait que sur ce, on se dit à plus tard.